Guillaume, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans Culture Club. Merci bien. Alors toi, ton pseudo, c'est Guillaume vous détend. Yes. Du coup, est-ce qu'on se ferait pas une petite interview détente? Allez, détendons-nous. Salut les Jones, vous regardez Culture Club? Alors avant de commencer l'interview, est-ce que t'es détendu, tout va bien? Je suis toujours détendu, moi, de toute façon. Quel son tu écoutes pour te détendre? Instant Crush de Daft Punk. C'était une cata. C'est quoi ton lieu de détente préféré? Dans mon grenier ou dans ma salle de bain avec ma caméra. Ça, je sais que je suis dans ma zone de confort. Est-ce que tu fais un truc pour te détendre avant de monter sur scène? Je suis un peu le mot superstitieux. Ah oui, mais bon, c'est une discussion, donc tu peux m'aider quand tu vois que je bute sur un mot. Qu'est-ce que t'as à répondre à ça? Je suis superstitieux, donc quand je suis sur scène, il faut que les étapes avant que je monte sont toujours les mêmes et sont les mêmes pendant toute la tournée. Que t'as une astuce pour me détendre? Il faut quand même que tu saches que Guillaume vous détend ne veut pas dire que moi je suis détendu. Je suis quelqu'un de très nerveux, très angoissé. Tu vois, ça te stresse, je sens que je te stresse alors que tu m'as demandé de te détendre. Je ne sais pas faire ça. C'est quoi la série parfaite pour se détendre? The Sex Education. I'm sorry. Elle est déjà intergénérationnelle et surtout qu'elle nous permet de décomplexer les questions qu'on peut se poser sur nous, sur notre sexualité, sur le corps de l'autre. C'est qui la personne qui a le don de te détendre? Ouh là 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 là, Jérôme Commandeur. Je sais pas pourquoi il me fait péter de rire. Tous les films avec Jim Carrey. Et évidemment, mon amoureuse me détend. Est-ce que cette interview te détend? Non, ça me stresse, ça m'oppresse, mais vous êtes des gens bien, je vous adore. Tu vois, ma réponse est trop longue, ça me... Je sais pas vous détendre, je suis désolé. Donc je vous laisse. Je peux reprendre celui-là parce que le mien est cassé. Tu peux l'avoir. Merci. Ah. Voilà, ça c'est gênant. Ah. C'est encore un artiste qui nous vole un canapé. Ah.